Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année avec la santé qui va avec. Puis je voudrais vous dire un truc, c'est que j'ai appris ce matin que monsieur le maire de Clermont-Hérault serait allé voir mon patron pour qu'il me vire de mon poste. Ma foi. Tout ça, je sais pourquoi. C'est pour se venger de tout ce que j'ai dit, mais pas parce que c'est faux, parce qu'il sait que c'est vrai. Et qu'il a honte, parce que vous comprenez, c'était caché tout ça. Et bien sûr, c'est venu aux oreilles de qui il fallait pas. Donc, comme je l'ai dit, et que c'était caché, monsieur est allé voir mon patron pour qu'il me vire. Sauf que mon patron, lui, voilà quoi. Il va pas virer une personne qui travaille bien et qu'il est content. Voilà. Alors, je tiens à dire à ce connard de maire hein, de Clermont-Hérault qu'au lieu de s'occuper de me faire virer une personne honnête, qui s'occupe de virer les gens malhonnêtes qui travaillent au sein de l'entreprise de la mairie de Clermont-Hérault. Voilà pourquoi. Parce que quand on a des employés qui a voulu essayer ou qui a violé des employés, d'ailleurs qui a été mis en congé pour étouffer l'affaire, à sa place, je fermerai ma gueule. Alors, vous voyez, je pense que le sapin de Noël avec les boules qu'il y avait dessus, il n'a pas eu le culot d'en prendre et d'en mettre deux dans son pantalon, parce que s'il avait des couilles comme il prétend être, eh bien, il serait venu me voir. Sauf qu'il me voit, mais il ne s'arrête pas. On s'est rencontrés à Hyper-U l'autre jour. Il aurait pu m'arrêter, venir vers moi. Mais non, hein, il est parti comme un serpent. Voilà. Ce qu'il est d'ailleurs, hein, il est rien de plus qu'un serpent pour les Clermontais. C'est une personne qui vaut rien.